Salut les amis et tous les gens qui suivent la chaîne, bienvenue ici dans cette petite vidéo vlog qui va se passer en trois étapes. Un, je vous parle vite fait, absolument sans filtre parce que j'ai rien préparé, c'est quasiment comme du direct donc je vais oublier des trucs et puis il y aura des petits bafouillages. Deux, je vous fais faire un petit tour de l'atelier parce qu'il y en a qui arrivent et puis surtout il a beaucoup changé depuis que vous me connaissez. Et trois, on passe au jeu concours, tout ce que je vous fais gagner et comment on fait pour le gagner. Donc je suis content de vous retrouver ici, dans l'atelier Petit Copeau. Tout se passe bien pour moi, ça fait au moment où je vous parle à peu près un an que je suis à mon compte, donc auto-entrepreneur, que je vis un peu de mes créations et de la création de contenu sur le réseau. Donc ça se passe assez bien, j'ai survécu jusqu'ici, je ne me suis pas énormément enrichi, mais tout se passe très bien pour moi. Au niveau de l'atelier, il y a beaucoup de changements, j'ai bricolé beaucoup de trucs, j'ai amélioré, j'essaye de me débarrasser de la poussière qui est un vrai problème pour le boiseux, et de trouver du rangement pour pouvoir m'y retrouver. Au niveau des réseaux, j'ai pas vraiment d'objectif, mais si j'en avais un, ce serait quand même d'atteindre les 100K sur YouTube. Je voudrais bien avoir mon petit panneau de félicitations des 100K. Je ne lâcherai rien tant que je n'aurais pas eu ça. Donc ça fait partie de mes objectifs. Sinon, je développe tous les autres petits réseaux. T'as vu que ça change énormément. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook. Beaucoup d'abonnés sur Facebook, plus de 55 000. TikTok, au moment où je vous parle, 18 000, je crois. Et Instagram, c'est à peu près pareil. C'est des réseaux différents, mais c'est assez simple pour moi de donner du contenu. Parce qu'il n'y a pas tout ce montage et tout ce boulot derrière la cam. Parce que là, le montage, il est ici, prise de micro, caméra ici et là. Là-bas, je ne sais même pas si elle tourne, tellement c'est le bordel. Et c'est Cédric qui fait le montage, à qui je fais un gros bisou. Sans lui, je pourrais pas faire grand-chose. Et il y a aussi Jérém, alias Mediapute, qui surveille tout ce que j'écris et qui corrige tout ça. Donc merci à vous tous, je vous fais des gros bibis, ça fait plaisir. Il y a quelques petites améliorations, j'ai amélioré la lumière. Ici je suis bien, tu vois, il fait 20 degrés, là-bas je vois le thermomètre et dehors il fait 5 degrés. Tout ça c'est avec mon petit poêle que j'ai fait maison, bon le poêle d'avant chauffait pareil bien sûr. Je te montre ici en face cam que j'ai investi dans un appareil photo pour toujours améliorer la qualité des vidéos et du contenu que je vous propose. Je suis toujours dans le bouillon en termes de création. Il y a énormément, il y a trop de vidéos d'avance. Donc là, vous l'avez tout de suite parce que je la tourne. On doit être le 2 décembre et cette vidéo, elle sort le 18 décembre. Donc vous avez, vous voyez ma tête là comme ça, mais vous allez aussi voir du contenu avec encore des images filmées avec mon smartphone et la coupe de cheveux qui va être différente parce qu'il y a beaucoup de temps en arrière. Mais c'est pas grave, ça te donne un laps de temps et puis ça nous rend pépouze, moi et Cédric, parce que c'est quand même beaucoup de boulot de monter ces vidéos et de vous offrir un contenu correct sur YouTube. Je reste fixé sur le fait qu'il n'y ait pas de pub qui coupe les vidéos YouTube. C'est clairement un petit manque à gagner pour moi, mais j'y tiens et je lâcherai pas l'affaire parce que c'est vraiment trop chiant les pubs dans YouTube. Donc vous en avez une au début et une à la fin, mais à l'intérieur des vidéos, il n'y a pas de pub. Donc c'est cool, je remercie tous les gens qui me soutiennent, qui ont cliqué sur rejoindre, ils sont une bonne trentaine. Leur nom s'affiche ici, c'est des gens qui payent avec leur petits euros pour soutenir la chaîne, pas très cher, on peut donner 3 euros je crois. Donc merci beaucoup à vous, pour tous les autres c'est gratuit, ne t'inquiète pas, tu n'as rien à faire. Voilà, dans les choses importantes auxquelles je pense maintenant, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur d'autres trucs. Maintenant je vais couper cette cam, rallumer l'autre et je t'emmène faire un petit tour de l'atelier pour te montrer tous les postes, un petit peu comment je travaille et comment je bricole ici. Voilà, donc on est dans mon atelier qui est une mob, une maison en ceinture bois que j'ai montée à l'époque il y a bien longtemps, peut-être 10 ou 15 ans, je sais plus, qui fait 60 mètres carrés au sol, avec un long établi ici, celui-là, là, très grand que tu as vu que j'ai fait sur YouTube, avec du rangement et une case identifiée pour chaque rangement. Des fois, il y a des pièges, il n'y a que moi qui sais ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est très bien, je l'aurais amélioré il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo sur YouTube. Là, c'est mon petit fauteuil quand je me pose pour faire une petite story ou un truc sur Instagram. Ici, il y a l'atelier de mon fils, mon petit bonhomme, qui vient bricoler de temps en temps. Là, c'est un coin que des machines que j'utilise beaucoup moins, qui sont inaccessibles. Là, il y a mon énorme poste à souder que tu as déjà vu. La Dego que j'utilise quand même de plus en plus, mais qui est vraiment moyenne, il faudrait que je m'achète un truc correct. La scie à ruban que j'utilise plus parce qu'elle est déréglée, j'arrive plus à la régler. Ma collection de sergents, Besset, je t'aime. Ici, c'est la piscine. Là, il y a ma toupie que j'utilise quasiment pas. J'utilise beaucoup plus la défonceuse sous table. Là, c'est le truc, le power kit, mais pour l'instant, ça fonctionne pas. Ici, c'est un truc qui est vraiment nouveau. J'ai même pas fait de vidéo sur YouTube. J'ai refait tout le rangement ici pour ranger à l'abri et mettre ma superbe scie à onglet Bosch. Ça, c'est des cadeaux, on va en parler tout à l'heure. Là, c'est mon coin tournage sur bois que j'utilise aussi régulièrement, j'aime bien. Ça, c'est les petits trucs, les nouvelles créations que je vais faire avec du plexi et du bois et la machine laser. Là-bas, il y a mon coin sono. Là, il y a mon établi sur roulette qui est plein de tiroirs que je peux emmener partout. Là, c'est ma table
à défoncer que tu connais, je pense. C'est la V2, il y a eu deux vidéos sur YouTube. Pas mal de rangements partout. Ici, ma fidèle 6 sous-tables DeWalt. Tu vois, il n'y a pas que les marques qui régissent la vie d'un YouTuber. J'ai aucun business avec DeWalt et pourtant, je l'utilise parce qu'elle est vraiment bien. Ici, il y a tout un tas de réserves de chutes de bois. J'en ai même encore là-bas aussi. Tu vois que je brûle tranquillement tout l'hiver. Donc dans ce poêle, bah celui-là c'est le nouveau, hein. Il a fait un petit carton quand même sur YouTube, on va pas se mentir. Ça marche très très bien. Je l'utilise tous les jours, vous avez une petite vidéo si vous ne l'avez pas vue, mais ça m'étonnerait. Je te montre ici qu'il fait 21 dedans et 6 dehors, on est trop trop bien, il n'y a que ça qui chauffe tout. Mon petit étau en bois, je l'utilise, mon étau Dolex, indispensable aussi. La perceuse à colonne, bah, chez Page, franchement, moyenne gamme, mais elle fait son job. L'établi qui est là, tu vois que bah, j'utilise tout le temps, tous les jours hein, en fait, hein, qui marche très bien. Pareil, tu as 2-3 vidéos, je crois, sur YouTube là-dessus. Ça, c'est un petit poste central que j'utilise beaucoup, surtout la Rabot. Bah, après, là, par contre, que ça soit une DeWalt, j'en ai eu plusieurs, on me demande souvent. J'ai une Makita, j'ai une DeWalt, j'ai une Triton, je crois. Elles font toutes le même job et pour moi, c'est tout pareil. Donc, je vais pas te dire, voilà, c'est... Ça fonctionne pareil. Ici, donc c'est le petit établi central que je te disais. Là, il y a ma mortaiseuse. J'avoue, je l'utilise pas beaucoup. Ça, c'est l'autre scie à batterie. C'est une dinguerie. Tu la verras bientôt dans des vidéos. Parce qu'il y a des vidéos à venir sur de la charpente. Il y a un carport dehors, facile à faire. Il y a de la terrasse, il y a des volets. Ça, c'est toutes les vidéos qui sont déjà tournées et qui attendent. Tu vois, c'est même pas les projets à venir. Ici, on arrive en haut de mon atelier avec un tout petit placement de produit très discret que m'a envoyé Freud. Freud, les amis de Freud, je leur fais des gros bisous. Ça se passe très bien avec eux. Et ici, tu vois, j'ai toute la surface qui est au-dessus de mon garage, un petit peu plus petite, avec mon atelier que moi, j'appelle numérique. Là, du rangement en CP, toujours, voilà, il y en a à foison. Là-bas, j'ai une petite réserve. Là, j'ai la grosse nouvelle machine HomeTech. Je viens de faire un test et de finir la vidéo là à l'instant, tu vois, avant d'enregistrer celle-là, j'ai enregistré la fin de l'autre vidéo. Là, c'est mon nouveau tuyau de poêle. Et ici, c'est mon petit bureau. Ce bureau-là, tu dois l'avoir sur YouTube aussi, tout à fait. Où je bosse, où je fais sur l'ordi un peu de montage. Et surtout, les gravures laser. Voilà ce qu'il y a en haut, pas grand-chose de si ouf que ça. Ici, c'est pour boire le café. On retourne en bas. Voilà, donc j'aimerais profiter de ces petits instants, de cette vidéo de fin d'année pour vous offrir des trucs, remercier les marques qui participent à la vie de la chaîne aussi. Les jeux concours comme ça, moi ça m'apporte rien, vous c'est bien pour vous, ça vous offre des cadeaux et surtout ça remercie les marques, ça permet de parler de leurs produits et de les mettre en avant. Je les remercie beaucoup à ceux qui m'ont envoyé des trucs et surtout qui vont vous faire vos petits cadeaux à vous. Donc je vous présente d'abord ce qu'il y a à gagner. Et ensuite, je vous parle des règles du jeu. Je fais 3 lots, donc 3 gagnants. Toute la gestion du jeu, c'est moi qui vais gérer. Il y a certaines marques qui vous envoient direct les trucs, et moi, je vais vous envoyer quelques trucs aussi. C'est moi qui gère la gestion, la réglementation et tout ça. Donc, essayez de prendre en note ce que je vais vous dire, et tout ce qui ne sera pas dit, qui sera oublié, sera dans la description de la vidéo, pour que tu puisses bien lire et comprendre le truc. Donc déjà, je te montre tout ce qu'il y a à gagner. Le premier lot, ce sera un lot Bosch. Bosch avec qui ça se passe très bien. Leur matos est cool, et ils vous offre un cadeau, une scie que j'utilise tout au long de l'année, que j'utilise beaucoup, elle est là, je te la montre, c'est là, je connais pas les noms par cœur, tu sais que je suis pas un ouf du matos, mais moi tout ce que j'aime c'est quand ça marche bien, c'est la GKS 18V 57, voilà, avec ça je découpe tous mes panneaux, avec le guide qui est très très bien, tu vois, elle est portable, elle est à batterie, ça, Bosch t'en fait cadeau, il te l'enverra directement chez toi si tu gagnes le jeu. Pour aller, pardon, avec cette machine, une superbe batterie Procore, leur nouvelle batterie là, qui associée à un moteur brushless, te crée le biturbo. Et tu sais, ils ont une nouvelle alliance qui est là d'ailleurs, ici, qui s'adapte à plein d'autres machines aussi. Donc là, c'est du 5,5 ampères, très très grosse batterie. Il y en a pour du blé et ça marche très très bien. Bien sûr, avec un chargeur rapide pour charger ta batterie super rapidement et pour que tu puisses en jouir dans ton atelier. Donc ça, ce sera le lot number one. Ensuite, le lot numéro 2, ce sera Tivoli qui vous offre des superbes cadeaux. C'est moi qui les ai choisis, c'est que des produits que j'ai kiffé dans leur gamme. Ils m'ont envoyé plein de trucs cette année parce qu'on a bossé ensemble. Et j'ai retiré quelques trucs du lot que j'ai trouvé vraiment cool à vous offrir. Donc les scies
cloche ou trépan, je ne sais pas comment tu appelles ça, en tous les cas, elles découpent tout, le bois, le fer. Elles sont très bien faites, elles sont de bonne qualité, je te les fais gagner, il y en a pour du blé aussi, c'est une belle petite mallette. Associé à ce petit kit, un petit coffret de 60 pièces, ça c'est toujours mignon, tu as tout ce qu'il faut dedans, les forêts qui vont partout, forêts métaux, des embouts et tout ça, c'est toujours cool d'avoir ça pour bricoler. Ensuite, pour le troisième lot, je vous mets ce petit lot d'embouts, de visseuses à choc que j'ai grave kiffé quand j'ai bricolé. Tu mets ça sur ta boulonneuse si tu as la chance d'en avoir une comme moi. Et franchement, c'est de la bombe. Ça se clique directement parce que c'est carré sur le carré de ta boulonneuse et tu fais tout avec ça. C'est super lourd, c'est de la bonne cam. C'est un joli petit coffret. Dans les trucs que j'ai surkiffé chez eux aussi, bon, il y a le forêt fraisoir que tu trouves chez plein d'autres marques aussi, mais là, il y en a, ils ont un petit coffret, il est mignon. Très efficace, j'ai trouvé aussi le forêt étagé que je te mets là. Ça, je trouve ça parfois mieux, ça dépend de l'utilisation que tu as. Il y a des gens qui bossent plus le fer que moi, mais pour percer des trous, c'est très bien, parce qu'en plus, ça te donne des étages et tu agrandis ton trou assez facilement. Ça, c'est pareil, quand c'est de la bonne cam, ça vaut assez cher. C'est cadeau pour toi, c'est le troisième lot. Ensuite, tu as la famille Freud qui va vous offrir dans le petit catalogue que j'ai pas sous la main, mais je vais te le montrer juste après. À chaque gagnant, donc il y a trois gagnants, la lame de ton choix. Tu choisis dans le catalogue, tu choisis la lame que tu veux pour ton électroportatif ou pour ton scie stationnaire. Et Freud te l'enverra. C'est pareil, c'est un beau cadeau. Je remercie Freud, le matériel est top et je suis content de l'utiliser. Ensuite, il y a Lyra qui s'est joint à la petite sauterie qui m'a envoyé un max de crayons. Du coup, je vous les envoie, ils sont bien pratiques parce que tu peux les accrocher dans ta poche. Et puis, tu as un petit truc là, ici, pour affûter ta pointe. Tu sais, c'est un porte-mine, en fait. Et voilà. Donc ça, je vous en mets un à chacun, à chaque gagnant. Merci, Lyra. Comment on fait maintenant pour jouer et pour gagner? Ceux qui connaissent la chaîne et qui ont déjà joué le savent. J'aime bien vous faire participer un peu, juste un tirage au sort. Je trouve ça un peu pourri. Donc, on va prendre ce petit maillet que je viens de réaliser pour un client. Regarde-moi cette beauté. Voilà, pour un petit garçon qui va voir ça à Noël. C'est un ami sur Insta qui m'a commandé ça. Je lui remercie de m'avoir fait confiance. Et bien, ce petit maillet, tu vas devoir estimer son poids, tout simplement. Je vais le mettre sur la balance, une balance très précise. Tu vas me donner le poids en grammes de ce petit maillet qui est minuscule. C'est du chêne, c'est du cipot, il y a du frêne, grasure CO2, laser. Tu me donnes son poids et tu me le donnes à l'adresse mail indiquée dans la description de cette vidéo. Donc le jeu concours commence le dimanche 18, je crois que oui c'est ça, c'est le jour de la sortie de cette vidéo. Et les résultats, je vais les donner le 25 décembre sur Instagram. Donc il va falloir pour gagner que tu aies vu cette vidéo sur YouTube et que tu aies un compte Instagram. Après si tu n'en as pas, ton fils en a certainement un, tu n'es pas obligé de créer un compte. Ça se trouve même ta mère a un compte Instagram, donc tu vas aller sur Instagram pour trouver le résultat, parce que je vais donner le résultat le 25 décembre. Je vais taguer ton nom. Donc, dans le mail, tu vas me mettre le poids du maillet et le nom exact sur Instagram pour que je puisse te taguer dans une story et tu recevras une notification. Si au bout de 24 heures, tu as reçu la notification, les stories, ouais, je crois, ça reste 24 heures, ou je ferai un post, j'en sais rien, et tu réponds pas, bah, je trouverai un autre gagnant. Donc, si tu trouves le poids exact, direct, tu gagnes le premier lot. Sinon, comme d'habitude, je prends le plus proche en haut et en bas. Et je descends et ça va faire deuxième place, troisième place. J'espère que c'est clair pour toi et que tu as bien compris ça. Les t-shirts, j'avais oublié de vous en parler. On m'en a parlé souvent. Ouais, je veux un t-shirt, ils sont trop bien. Ça, c'est un peu le fail de l'année. Ça n'a jamais fonctionné, ce qu'on devait faire avec le mec que je devais faire. Donc, ça a patiné, ça n'a rien fait. Si tu es dans le business des t-shirts et que tu veux faire un truc avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un MP. Voilà, c'était le petit truc en plus. Les créations comme ça, en bois, j'en vends. Mais je t'avoue que le truc qui me manque le plus, c'est du temps. Je cours de partout. Ça a l'air d'être une blague, d'être entre guillemets créateur de contenu. Mais je suis tout le temps en train de faire des trucs. Je n'arrête pas. Et donc, je ne les mets pas plus que ça en avant sur la page Utip, si tu veux les trouver. Parce que bah, j'ai pas le temps de faire toutes ces créations. Quoi. Quand il y a des commandes, je les fais quand même. Et je remercie tous ceux qui me font confiance et qui me commandent des trucs, notamment des meubles que je fais sur mesure. Je me concentre là-dessus. J'espère que tout est OK pour vous, que vous avez bien capté les règles du jeu. Le premier lot, ce sera le lot Bosch. Le deuxième lot, les deux gros coffrets Tivoli. Le troisième lot, les trois petits coffrets Tivoli et un crayon à chacun. Et chacun a aussi une lame Freud de son choix dans le catalogue de Freud. Je vous remercie d'avoir maté cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment. J'ai l'impression d'être avec vous et de vous donner des nouvelles. Je vous fais un gros bibi et donc je vous dis rendez-vous sur Instagram. Débrouille-toi pour venir. Bah, il faudra être abonné bien sûr à la page Petit Copeau le 25 décembre. Bonne fête de fin d'année à vous. Je vous dis à l'année prochaine en vrai dans les vidéos. Je vous fais plein de bibi. À bientôt, bonne chance pour le jeu, joyeux Noël, bonne fin de fin d'année, ciao, bye.